Hi tout le monde, c'est Oustache, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on se retrouve pour parler de la MSMC sur Black Ops 2, car c'est l'arme coup de cœur du moment, enfin en tout cas pour ma part et pour beaucoup de joueurs de Black Ops 2, car c'est vraiment une arme qui est énormément jouée parce qu'elle est vraiment puissante, elle a toutes les qualités possibles. Donc on va parler un peu comment la jouer, quel atout, etc. Et on va shooter du noob. Déjà, on commence avec une petite triple kill dès le début, anti-screen, ça fait plaisir. Et voilà, donc là, un petit ennemi, assistance et un petit kill, on débloque le drone. Donc moi, je vous conseille de la jouer avec poignée avant, donc pour baisser le recul un maximum. Canon long pour tirer le plus loin possible et charge à grande capacité pour pouvoir faire un max de kills. Comme je viens de le faire avec une petite triple, si je pense pas que j'aurais pu la faire si je n'aurais pas eu cet équipement. Donc là, on entre en sanguinaire, on est content et on continue la partie. Donc sinon, au niveau atout, moi, je vous conseille de mettre poids léger ou fantôme, donc les deux sont bien, sans froid ou pillard, et conditions extrêmes et rien d'autre, parce qu'il n'y a que conditions extrêmes personnellement que j'utilise. Donc après, peut-être que vous avez des goûts comme dextérité ou ingénieur qui peuvent être pas mal, mais moi perso, c'est pas mon kiff. Donc pourquoi conditions extrêmes et poids léger? Tout simplement parce que je suis un gros rusher et que j'adore rusher, je fonce dans le tas, et voilà, ça me permet d'aller le plus vite possible et le plus longtemps possible. Donc là, hop, je vois deux ennemis, enfin je les vois maintenant, voilà. Et je me fais tuer à cause d'une charge électrique et d'un ennemi qui passait juste à côté. Bon, c'est pas grave. Et là, j'ai raté un ennemi sur la gauche, mais on l'a pas vu, hein. Personne n'a vu, on n'a rien vu du tout. Donc là, vous voyez que même de loin, enfin de loin, c'était pas très loin, mais elle est quand même bien précise. Donc là, deux ennemis, on balance le C4, boum, un petit kill. Donc moi, je vous conseille de jouer avec le C4, qui permet de tuer si vous reste plus beaucoup de vie qu'il y a un ennemi derrière un mur, balancez le C4 et pff, il meurt pépère. En attendant, vous êtes toujours vivant et vous continuez votre série. Donc là, on va continuer sur le côté, un petit ennemi, un deuxième sur le côté, je me fais tuer. Je l'avais pas vu, mais bon, j'aurais pu quand même débloquer un drone, un foudrement, ça aurait été pas mal. Donc là, hop, je balance le C4, il y a personne, pourtant j'ai quelqu'un qui a pris ma charge. Et là, je vais en tuer un, mais malheureusement, le deuxième m'a mis un gros noscope chanceux. C'est pas très grave. Et ensuite, donc sinon au niveau tactique, je vous conseille de jouer avec la paralysante, comme je le fais pour paralyser les ennemis et voir s'il y en a beaucoup ou pas. Le C4, je vous ai déjà expliqué. Et sinon au niveau killstreak, c'est vous qui gérez. Moi honnêtement, je prends toujours drone et foudrement. Le missile Storm, c'est pas mal aussi, mais foudrement c'est vraiment énorme. C'est le killstreak, mon killstreak préféré de Black Ops 2, parce que pour 600 ou 700 points, vous pouvez faire un full team ou 3 ou 4 kills, et ça c'est vraiment pas mal. Et bon, après vous allez me dire 3-4 kills c'est pas énorme, mais je vous rassure qu'en MME, quand vous avez que 75 kills à faire, c'est vraiment pas mal. Donc le drone, vous allez voir que je vais le caler plein de fois, mais à chaque fois je vais me le faire détruire. Bon c'est pas grave, après tout c'est qu'un drone. Donc là hop, un ennemi qui passe, on va le tuer pour débloquer encore une fois le drone. On l'envoie, on est en sanguinaire, on recharge, et là on va tuer les ennemis. Donc sanguinaire, c'est ça représente un drone en général. Avec une sanguinaire, vous faites un drone en MME, et après ça dépend des modes de jeu. Donc là, lui, je le tue parce qu'il vient de détruire mon saleté de drone. C'est lui la saleté, il vient de détruire mon drone. Et hop, je débloque mes killstreaks. Vous allez voir, là, il y a un truc assez fun. Je fais pour lancer mon missile Storm. Donc là, je fais 0 kill. Et là, je fais pour lancer mon foudrement. Et hop, je vois un ennemi juste derrière moi. Donc là, on va pas le voir, mais je vois un ennemi juste derrière moi. Donc je l'enlève et hop, je le tue. Et hop, le troller devient trollé. Et j'ai vraiment bien rigolé sur ce coup-là. Donc j'envoie mon foudrement et hop, un petit 3 kills, 4 kills. Une triple et un pour ajouter, ça c'est perfect. 4 kills en MME au foudrement, c'est vraiment pas mal. Donc là, je suis déjà à 26-4, j'ai déjà 6 de ratio. Donc j'étais assez content. Je m'étais dit que c'était une bonne partie à vous proposer pour vous parler de la MSMC. Donc moi, je vous conseille de loin, comme je l'ai fait tout à l'heure, de ne pas rester en permanence appuyé sur le bouton tirer. Il faut vraiment, comment dire, comme si c'était une arme à rafale, appuyer petit à petit, pour pouvoir avoir la max de précision. Donc là, il était pas très loin, donc je peux me permettre de rester appuyé. Et hop, là, sans pitié, elle est là. Et je redébloque un nouveau drone. Ensuite, un mec qui passe, je le tue, je recharge. Et là, c'est parti, un foudrement. Non, missile S-Run, pardon. Donc on va l'envoyer et je vais pas faire énormément de kills, je crois que je vais en faire un ou deux, je ne sais plus trop. Un seul kill, voilà. Et vous pourrez voir que grâce à ma MSMC, pardon, je vais pouvoir faire la petite killcam. Hop. Voilà. Donc voilà, je vous ai parlé de la MSMC, j'espère que ça vous aura aidé. Sur ce, moi je vous dis une bonne journée, une bonne soirée à tous. Likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, ciao ciao tout le monde.